QVV, V pour Victor, comme le fondateur de la maison, dans un millésime 2012 que les grands amateurs de champagne connaissent parce que c'est un millésime qui sera irrésistible et qui est déjà grand. Oui. Cette cuvée-là, elle symbolise le mieux les progrès de cette maison qui sait faire aujourd'hui grâce à un chef de cave très talentueux. Et alors, Laurent Fédoux, c'est quelqu'un qui a travaillé sur l'ensemble des maisons du groupe Thiénot, mais qui aujourd'hui, c'est vraiment oui. entièrement dédié à la renaissance de cette marque et de cette maison. Donc, il s'occupe à 100% de Canin Duchesse. Il y a du grand cru, du premier cru. C'est quelque chose qu'on a envie de goûter dans un premier plat à table. C'est la saison des Saint-Jacques. Oui. Honnêtement, c'est fait pour les Saint-Jacques. Hein. Cru ou snacké. Ce que je trouve, c'est qu'on garde toujours cette souplesse, ce côté simple et franc et assez direct de la maison, avec plus de volume, plus de fond, plus de caractère aussi.